Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une motivation, recette de cuisine pour ceux qui n'aiment pas trop les légumes et surtout pour faire manger les légumes aux enfants. Moi, je fais sous cette forme-ci. Donc, je vais faire les pilons, plus les patates, plus toutes les légumes. Et je, en fait, j'assaisonne bien qu'il y ait un bon goût et je mets ça au four. Et franchement, la famille, c'est très délicieux et les enfants en raffolent pour les enfants qui n'aiment pas les légumes. Donc, pour faire manger à vos enfants les légumes, je vous invite à faire cette recette et soyez attentifs à ce que je suis en train de faire. Je vais découper des courgettes, poivrons, oignons et tout et tout. Et quand je vais faire ça au four, sans oublier les Maggi poulet, je mets 4 les Maggi poulet parce qu'il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de poulet. Donc, je mets quand même 2 ou 3 Maggi poulet et là, ça donne. Regardez attentivement ce que je vais faire. Et franchement, la famille, c'est très bon. C'est très, très, très bon. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles et d'une petite fille de 3 ans, ce qui fait 5 filles. Donc, je suis maman de 5 filles, je vis en plein cœur de Paris et je fais partie du corps médical. Ce n'est pas parce que tu as des enfants, parce que tu travailles, que tu ne vas pas t'occuper de ta petite famille. Et ce n'est pas parce que tu travailles que tu vas te mettre dans la tête que non, ce n'est que boulot, dodo, dormir. Boulot, dodo, dormir. Du coup, ça devient une routine et ce n'est pas bien. Or, être femme seule ne veut pas dire que tu ne peux pas rendre ta petite famille heureuse. Être femme seule n'est pas une fatalité. Donc, pour l'instant, moi, je suis seule avec les enfants et j'essaie de mettre de l'ambiance dans ma petite famille. J'essaie de rendre ma petite famille heureuse. J'essaie de faire ma petite déco. Quand il y a fête, je ne néglige rien. Et pour la tomate que je mets là, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre la tomate. Mais moi, comme j'aime bien la tomate en fruits, je mets la tomate. Donc, c'est pour vous dire que les mamans, ne baissez pas les bras. Ce n'est pas parce que tu es seule que ta vie va être fade. Là, il y a le printemps, il y a la Pâque. J'essaye de mettre une petite ambiance dans ma famille pour que mes filles et moi, on soit heureuses entre filles. Hein? Et là, je vais faire le ménage du printemps, un grand ménage. Je vais faire la déco et je vais faire la recette. Et je vais même faire une bonne petite cuisine pour moi et ma famille. On va manger, on va rigoler. Et je vous demande d'être scotché, de prendre les pop-corns si vous avez, parce que vous n'allez pas regretter. C'est une très belle vidéo. Pour celles qui ne se sont pas encore abonnées, il faut savoir qu'il y a des vidéos que quand vous voyez une fois, vous ne revoyez plus la personne. Donc, du coup, abonnez-vous. Et si ça ne vous intéresse pas par la suite, vous pouvez vous désabonner. Ça ne vous coûte rien, hein? Mais je suis sûre que si vous vous abonnez, vous n'allez pas regretter. Parce qu'on va changer par les commentaires, on va faire connaissance, tout et tout. Et si c'est ta première fois sur ma chaîne, laisse-moi surtout un commentaire pour que je sache que tu fais partie de la team Léa Julie, la Parisienne. Je saurai que tu aimes mon affaire et après, et là c'est l'ail que je suis en train de hacher. Et je vous laisse avec les images. À bisous! Thank you.
tu vas mettre ça au frigo, il y a un problème. De ta mère, s'il te plaît, fais un peu comme si tu as fait ce matin. Enlève les habits là, tu ramènes ce que tu as amené là-bas, tu viens essorer ça aussi. S'il te plaît, je vais mettre mon manteau, sinon mon manteau ne va pas sécher d'ici attends, le matin. Ah, je prends quels habits? Tu as ramené quoi là-bas aujourd'hui mouillé? Bah, les habits. Mais ramène, tu l'as pas mis dans le sèche-linge, j'espère. Si. Non, arrête, il y avait de l'eau partout. Ah, mais je m'avais dit de mettre dans le sèche-linge. Non, ramène ça. Tu peux pas me sécher ça et comme ça sans essorer quand même. Nous sommes quand même d'accord. Faut pas faire ça, Cassie. C'est l'eau, l'eau, c'est mouillé. Toi, tu partais, fais quoi comme ça, là? Là, c'est des patates. Je mets un peu de sel pour que l'eau sorte. Le temps que je nettoie le poulet. Voilà, avec la bassine. Et ça va beaucoup. J'ai déjà découpé toutes les légumes et là je suis en train de laver les pilons pour pouvoir faire le mélange. Et là j'ai fini de laver et je blesse pour que l'assaisonnement puisse entrer, pour que un bon goût des légumes puisse entrer et tout et tout. Et là il faut blesser tout ça, là vous voyez comment je fais, c'est pour que l'assaisonnement puisse pénétrer très bien dans le poulet. Parce qu'il y a des légumes, il y a et tout... Vous voyez, et là, je mets le poivre noir. Après le poivre noir, l'ail. J'ai essayé de hacher l'ail. Vous avez vu comment j'ai fait. Et là, je mets le poulet. Je vais mélanger avec la main. Comme on fait en Afrique, bien sûr. Parce que je suis maman africaine. Ou bien. Et là, j'ai bien lavé mon poulet. Bien lavé. Et tout et tout. Et là, je fais un bon mélange. Je mélange ça, je malaxe bien, le poivre puisse entrer et tout. Et là, je mets le Maggi poulet. Là, j'ai mis deux. C'est juste qu'après, j'ai réfléchi qu'il faut mettre deux ou trois. Parce que là, il y aura beaucoup de légumes. Il y a le poulet, les pilons, ça va, mais il y aura beaucoup de légumes. Ce qui fait que si vous n'assaisonnez pas bien, si vous ne mettez pas bien le sel, ça peut être fade. Parce que il y aura le jus des légumes, il y aura le jus du poulet. Et si le tout se mélange, là je mets la mayonnaise pour rendre la viande tendre. Pour que le poulet, c'est ça qui rend la viande tendre. Parce que parfois si vous faites ça sans mayonnaise, sans moutarde, la viande peut être dure. Et là, c'est pour rendre la viande tendre. La moutarde, mayonnaise. Et là, j'applique, je mélange bien pour que ça puisse pénétrer dans le poulet, quoi. Je fais vraiment le mélange, mélange. Et là, je mets le poivron rouge, et le vert. Si vous avez les trois qualités, pourquoi pas les oignons? J'ai coupé des oignons un peu costauds. Après, les oignons, les courgettes. Oh, c'est une tuerie, les filles, hein. Quand c'est bien assaisonné, et là, la tomate, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre la tomate. Hein. Normalement, ça se fait courgettes, oignons, poivrons, les champignons. Normalement, mais j'aime pas trop les champignons. Et là, c'est une façon pour moi de mélanger, parce que c'est un peu compliqué. Et là, je lave les pommes de terre pour pouvoir faire tout le mélange. Et quand vous faites tout ce mélange, ça dort au frigo le lendemain. Ce qui permet que tout soit assaisonné, que l'assaisonnement pénètre les patates, ça pénètre les courgettes, ça pénètre tout.
quoi. Et il y aura un très bon goût quand vous allez faire ça au four. Et vous faites ça au four à 200 degrés, quoi. Ça dépend de votre cuisson. Il y a ceux qui aiment quand ça sèche un peu. Il y a ceux qui aiment quand c'est juteux. Ça dépend de vous. Vous essayez de suivre, mais c'est une cuisson qui ne dépasse pas quand même une heure de temps. Et là, j'ai bien mélangé. J'essaye de mélanger, remélanger pour que ça puisse vraiment... pour que le jus du poulet descende dans les légumes. Comme ça, toute la nuit dans le frigo, ça va bien se mélanger. Et là, j'ai... on met au frigo demain au retour du travail au four tout simplement, et là vous n'avez pas besoin de vous déranger. Les filles là sont parties au lit, Cassandre. Et là, il faut sécher partout, pas laisser de l'eau sur le plan de travail. Are you understand me? Cassandra, regarde-moi un peu sur le pouf là, il n'y a pas d'autre chiffon sec là-bas, maman. S'il te plaît, ma petite maman chérie. Mais comment ça avec? Elle n'est pas encore allée au lit ou quoi? Non, elle est... Les arêtes là, c'est pourquoi encore? Mais t'as dit que je prenne le chiffon? Oui, sec, sur le pouf. Il n'y en a pas? S'il te plaît. Tu as vu? Mais j'ai vu des chiffons là. Je viens m'en donner. J'en ai besoin. Par contre, c'est 30 euros le chiffon. Ah ouais? Ouais. J'aime travailler avec des chiffons secs. Et non, mouillés.
quand mon évier brille comme ça là, ça brille. L'évier d'une femme doit briller comme ça, hein, les filles. Hein. Faut pas avoir les éviers gris. Are you understand me? Makato majalo, makato majalo yo, makato majalo. Bon. Voilà. Oui, comment ça brille? Tout est clean là. Clean, clean, propre, ça brille. Ça brille de mille feux. C'est comme ça que la cuisine d'une femme doit briller. D'accord? Là, je vais aller prendre une bonne douche. Je vais dormir parce que le matin, je vais travailler. Vous avez vu comment ça se passe? C'est ça, une vraie femme. Demain, quand je rentre du travail, soit si Iris rentre avant moi, Iris a déjà le chez elle, elle n'est plus très ici, mais vous allez la voir de temps en temps dans les vidéos. Parce qu'il y aura soit le week-end, elle sera là. Elle a déjà pris son indépendance et il était temps. Donc, elle a le chez elle, mais elle viendra de temps en temps. Par contre, Luna, elle va venir s'installer avec sa grand-mère. Donc, il y a des jours où elle vient, elle a les clés, elle a mes clés bien sûr. Elle peut venir me mettre le truc au four, le temps, si elle a une heure, deux heures de temps, elle vient là, elle m'aide un peu et elle repart. Donc, c'est ça. Demain, quand je rentre du travail, si elle vient demain, elle peut me mettre ça au four. Ce qui fait que quand je rentre, je mange juste. Mais si elle ne vient pas, quand moi j'arrive, c'est autre une heure de temps, une heure trente. Selon la quantité, si c'est trop beaucoup, ça peut mettre plus de temps. Selon votre cuisson, donc vous mettez au feu et tout, c'est tout. Hein? C'est tranquille pour demain et c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup, vous avez vu. Légumes, poulet, et c'est très doux. C'est très doux. Je vous souhaite une bonne nuit. Bon, je vais aller prendre ma douche. Je suis un peu le journal. Si j'ai une petite boisson chaude, je vais la prendre. Et puis, je vais aller au lit. Et le lendemain, quand Iris est passée à la maison, elle a mis ça au four. Du coup, quand je rentre du travail, je trouve que c'est déjà fait. Et Iris nous a fait du bon, de la bonne bouffe, même comme elle a de l'eau chez elle. Malgré qu'il y a des petites pluies, mais nous sommes déjà au printemps. Du coup, on va faire le ménage du printemps. Et on va faire la déco de Pâques. Parce que Pâques, c'est lundi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Et j'essaie de faire une petite décoration, histoire de faire plaisir aux filles. Vous savez que les filles, c'est des princesses. Et les princesses, il faut les respecter. C'est des dames et tout et tout. Donc aujourd'hui, tu dis, c'est bon, on va faire une petite déco. Et on va organiser un petit Pâques entre nous, les filles. C'est pas parce que le papa n'est pas là qu'il faut être triste. Et ça, je m'adresse surtout aux femmes seules. Soyez heureuses dans vos vies. Ce n'est pas parce que vous êtes seules que c'est une fatalité. Non. Essayez de faire des petits trucs pour mettre vos familles à l'aise, tout et tout. Du coup, aujourd'hui, on va faire le ménage du printemps. Et demain, on va décorer. Parce que Pâques, c'est demain. Peut-être le soir, on ne sait jamais. Hein? Et je vais vous faire une petite décoration de ma table de Pâques. Histoire d'être un peu à l'aise psychologiquement avec tous les trucs de la vie et tout, il y a Iris qui danse une dame pour le printemps là-bas. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 filles et d'une petite fille qui est cette princesse. Ça me fait 5 filles. Et aujourd'hui, je fais partie du corps médical français. Je vis en plein cœur de Paris. Oui, oui, oui. Luna. Du coup, aujourd'hui, on va faire une motivation, non maman, vie de famille.
Ça veut dire, je vais vous montrer comment je me suis organisée pour Pâques. Comment j'essaie de mettre ma petite famille à l'aise. Comment je suis avec mes enfants. Et tout et tout. Et ceci, c'est pour motiver les mamans qui travaillent et même celles qui ne travaillent pas. Donc, si tu es nouvelle sur ma page, je te demande de t'abonner. Parce qu'il y a des vidéos souvent que quand tu vois la personne une fois, tu ne revois plus la personne. Donc, si tu ne t'abonnes pas, tu ne vas plus jamais me revoir. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, si mes vidéos te plaisent, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Abonne-toi. Et si par la suite, ça ne t'intéresse pas, tu te désabonnes. Ce n'est pas grave. Mais, je te rassure, si tu t'abonnes, après la pub, on se lance. Vive le printemps. Et là, c'est un grand ménage qu'on va faire dans les moindres recoins. Du coup, on va enlever tout ça. Ça, c'était pour l'hiver. Là, nous sommes passés au printemps. On va enlever tout ça et on va remplacer par les trucs légers. Parce qu'au printemps, et j'ai acheté cette petite table occasion pour pouvoir changer un peu de cette table. Je me séparais un peu de ça et en hiver, je vais récupérer ça en hiver. Parce qu'en hiver, c'est bien quand tout est un peu grand et tout. Et là, je vais mettre une petite table légère, histoire de faire une petite déco de Pâques. Il y a Luna qui s'est déjà lancée dans le ménage. Et là, c'est parti. Les filles, je vous conseille de faire ce genre de ménage 2 à 3 fois par an. Parce que ce n'est pas évident. Bien sûr, on fait le ménage tout le temps, une fois par ou 1 à 2 fois par semaine. On lave le sol, tout et tout. Mais ce n'est pas comme pousser les canapés, nettoyer en bas, nettoyer le bas de son lit, faire des poussières dans tous les sens, les fenêtres à l'extérieur comme à l'intérieur. Franchement, je vous conseille parce que la santé, c'est important. La propreté, c'est important pour la santé et les poussières pour les enfants. Ce qui fait que vous pouvez même faire facilement des années sans tomber malade. Je ne sais pas si ça vous arrive comme ça aussi, comme moi. Les maladies qu'on a surtout ici en Europe, ce sont les maux de tête et tout. Mais dire que les maladies bizarres, franchement, non. Et là, on a fini le ménage. On va acheter la déco. On est dans le métro. Je suis avec les filles. Tout le monde est sorti, histoire de les faire un peu se balader. Ah ouais? Santé. Quelqu'un santé fait son malin, tu fais quoi, Cassandra? Cassandra, là. Et là, je vais à la Défense parce que j'ai vu des choses un peu moins chères là-bas. Et là, on a acheté, on est en train de retourner. On va passer aussi à Babou parce qu'il y a pas mal de déco là-bas. Mais à Babou, du coup, quand je suis arrivée, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Et c'est à Action que j'ai trouvé mon affaire. Et j'ai acheté des trucs vraiment moins chers à Action. Bon, à la Défense, déjà, j'ai trouvé pas mal de choses aussi moins chères. Hein. Comme les draps, comment on appelle même ça? Les draps de canapé, si vous voulez. Et les draps de canapé, j'ai trouvé ça à la Défense à 5 euros. Je suis tombée sur l'occasion, j'ai pris. Et à Action, il y avait des choses moins chères, vraiment moins chères. Franchement, pour décorer sa maison, il n'y a rien vraiment de grave là. Avec 200 euros, vous faites vraiment tout ce qu'il faut pendant le printemps. Hein, je vous rassure. Hein. Je vous rassure les filles. Hein. Et là, nous sommes le lendemain, il est 9h. Et... on va faire la déco, la décoration. Parce que hier, on a fait vraiment un grand ménage. Et aujourd'hui, tôt le matin, il est 9h et on va faire la décoration. Je vous laisse avec les images. Déjà, on a fait un grand ménage pour le printemps. Et vraiment, c'est un conseil, les filles. Après chaque 1 an, je vous invite à faire le ménage du printemps. Parce que chaque année, il y a des poussières qui se posent. Il y a ceci, il y a cela. Mais il ne faut pas faire que tu passes toute une année... voire même 2 ans, tu ne soulèves pas ton canapé, tu nettoies un peu, tu nettoies les fins fonds, tout et tout, tu fais des poussières partout. Parfois, il faut le faire, parfois même après 6 mois, c'est important. Fais vraiment un grand ménage, pas un ménage vite fait, un ménage peut-être que tu laves le sol. Et aujourd'hui, on va faire cette motivation. On a fait un grand ménage, Iris et moi, elle est venue ce week-end aider un peu sa petite maman. Et on a fait un grand ménage partout et pour tout. Il n'y a rien de plus beau quand tu te sens vraiment bien chez toi, quand tu te sens à l'aise, quand ta maison n'a pas de mauvaise odeur. Mais franchement, je vous dis la famille, il n'y a rien de plus beau. Donc aujourd'hui, on va faire une motivation ménage. Là, on a fait tout le ménage. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Et après, on va passer à la déco. Si tu as une nouvelle sur ma page, moi, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles, plus ma petite fille, ça me fait 5 filles. Je fais partie du corps médical français et je vis en plein cœur de Paris. Ce qui est une joie pour moi, bien sûr. Vous-même, vous savez, quand on sort de loin, hein, on ne va pas quand même venir vivre encore dans les villages. Il faut vivre au cœur même, au cœur.
Donc, du coup, moi, je vis en plein cœur de Paris. Je fais partie du corps médical et j'ai des enfants. Pour l'instant, je suis maman seule et j'essaye de m'organiser ici. C'est une motivation pour les mamans seules. C'est pour vous dire que ce n'est pas une fatalité d'être seule. Et avoir un mari, c'est bien beau. Mais le jour que tu es seule, tu dois assumer. Donc, aujourd'hui, on va faire motivation, vie de famille. Je travaille et en même temps, je dois m'occuper de ma petite famille, de ma maison et tout. Vous voyez un peu de quoi, ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, là, je vais vous montrer tout ce qu'on a fait. Iris et moi, on a travaillé. Hein? On a travaillé des... Donc, là, maintenant, je vais vous montrer tout ce qu'on a fait. Et après, on va passer à la déco. La déco du printemps. Parce que le printemps, c'est les couleurs. Vous voyez, je suis en couleur, là. Du coup, Et après, le générique. On se lance. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Une décoration des pays. Les couleurs, c'est le printemps. Des couleurs comme si c'est le printemps. Alors, c'est des couleurs. Non, non, mais Iris, viens dire aux abonnés. Donc, du coup, tu vas nous présenter tout ce qu'on a fait. On va commencer par le salon. Qu'est-ce qu'on a fait au salon? Je te laisse présenter tout le ménage qu'on a fait. Donc, du coup... Qu'est-ce que c'est quoi? Vas-y, montre-nous ce qu'on a fait. On a fait quoi? On a nettoyé partout. Nous avons nettoyé partout, on a aspiré le sol. T'as si, Cynthia, arrête. Qu'est-ce que ta fille s'y fait là-bas en bas? Lève-toi de là. Tu fais quoi là-bas? Elle est dans les couleurs, tout le monde est en couleur ici. Hein. Il y a Cynthia qui est en couleur. Mais parce que ta fille n'est peut-être pas au printemps, tu sais où tu te trouves. Donc du coup, on a fait quoi, Iris? On a nettoyé partout. Tu nous montres un peu ta cuisine. Comment on a nettoyé la cuisine de ta petite maman. On a aspiré. Un peu. Et je vous laisse. Je vous signale que Iris, tu n'as pas dit aux abonnés que tu as déjà le petit chez toi et que. Mais regarde les abonnés ici. C'est d'une grande dame. Elle a le chez elle. Hein, vous la voyez là. Elle est venue rendre visite à sa petite maman. Donc, je suis venue passer le week-end avec ma petite famille. Ah, bah voilà. Présente-nous la cuisine, ce qu'on a fait dans la cuisine. Allez, let's go. On a nettoyé partout. Vous voyez, tout est propre. C'est soit propre, mais là, ça brille de mille feux. On va changer tout. On va changer les fleurs là et tout et tout. Cynthia, tu arrêtes un peu les bêtises. Tout brille là. Tout est propre. Et on va décorer avec vous. Et on y va. On va à la salle de jeu. On a tout en dedans. On va changer la plupart des choses. Hein. C'est vrai, il y a des couleurs ici. Et là, on a nettoyé tout. Ici, vous voyez, ça brille de mille feux. C'est ça qu'il faut faire, les filles. Ouais. On a nettoyé partout, là. On a fait, elles ont une belle salle de jeu. Allez, Luna. Vous voyez, c'est la vie en couleur. Allez, Iris, on y va. Et là, c'est la salle des jeux des filles. On a nettoyé partout. Et après, la chambre de maman, tu peux entrer. On a enlevé tout, on a tout enlevé, les rideaux, on a nettoyé partout, on va décorer tout. C'est ça, Iris. Va tousser loin et bien. On va changer les lampes là-dessus et tout. Et ça, on y va à la douche. Je vous dis, la famille, on a fait des poussières partout. Là, vous voyez, ça brille de mille partout. Let's go. Et là, nous avons la douche, on a lavé. Ouais. Vous pouvez même manger dans le... Hein? Tout est propre, tout est clean là. Et on va mettre tout à jour là. Hein, Kezia et Luna? Il faut vivre dans une maison saine et propre. Il n'y a rien de plus beau, la famille. Donc, du coup, et là au couloir, et là on a acheté un tapis pour changer un peu, histoire de mettre un peu les couleurs. Parce que, les livres sont passés. Il faut la lecture. Hein. Donc, du coup... On va se lancer. On commence par quoi, Iris? Le tapis? Oui, on commence par le salon? Oui. Ah, déjà, les trucs qu'on a achetés, on y va. Tu nous montres? Parce que, hein, quand même, hein, c'est le printemps. Hein. Sors-nous ça et tu nous fais... on montre rapidement aux abonnés. Jolie fleur à action. Je me rappelle même plus du prix. Mets au sol. Sors tout ça, tu montres. Bon, on va quand même mettre quelques petites choses qui étaient là. Bon,
le salon est un peu noir. Oui, pour la salle de bain, tourne les fleurs. Laisse Iris présenter madame. Hein. On a des jolies petites fleurs, on va faire la déco avec. Oui, des fruits en décoration. On va décorer. Waouh, regarde comment c'est beau même déjà. Ouh là 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 là. Oui, quoi d'autre? Oui, c'est pour la déco. On va essayer de créer quoi. Mais on s'en en Iris, parce qu'on va trouver une solution pour une belle déco. Et là, c'est quoi? Là, nous avons les bonbons. Des chocolats? Des chocolats. Parce que c'est Pâques. Et les filles vont faire la chasse aux œufs. Tu mets au sol, s'il vous plaît, madame. Bien, bien. Il dit non, mon bien. Bien, bien. Bien, dit meilleur, bien. Non, mon. Pour la déco, des bonbons. Jolie déco. Bon. Ah, ah, Luna, elle, elle veut que ça soit bonbon. Des jolies tasses. Mmh. Ah là là. Fais un peu voir ma tasse. Iris a choisi. Ça, c'est pour moi, le printemps, pour boire un bon café au printemps. C'est toi la chef de la famille. Et là, c'est Iris, c'est son choix. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez entre ma tasse et pour Iris? Vous préférez quelle? Hein, les abonnés? Celle-là. Ah, donc, j'ai du goût alors, plus que Iris. Allez, présente-nous les choses, les trucs. Kézia, quitte un peu. Va sortir, tu donnes. Là, c'est des jolies bougies du printemps. Maman, les bougies. Les bougies du printemps. Oh là là, des jolies fleurs. Le printemps. Vive le printemps. Sors-nous les choses, les trucs. Joli tapis pour la douche. Couleur. Ça va avec le rideau. Tourne un peu le rideau de la salle de bain. Là, c'est assorti. Là, c'est des fruits du printemps. Voilà, c'est assorti. Joli pastèque, décoration. Du bien. Après, on va arranger. Voici. Wow, la déco. Les filles, c'est ce qu'il faut faire, oh maman. Hey, la fraise, jolie fraise qui a mûri. Ouch, trop, trop bon à manger. Wow. On a des œufs. Des œufs. Pâques. Ça symbolise Pâques, non? Mais c'est pas au chocolat. Ouh, la déco, il y a des fleurs, il y a des œufs. On a pris plusieurs comme ça. Action, vraiment, c'est moins cher, hein? Tout ça fait 40 euros, hein, même pas. Et on a encore, vous voyez, des fleurs du printemps. Peut-être je vais décorer ma chambre aussi avec, hein, c'est le printemps. Des fleurs. Des jolies fleurs. Et là, c'est des fleurs, quoi. Des fleurs séchées pour la déco toujours. Et là, c'est des jolies fleurs. C'est moi qui l'ai choisi. Ah oui, c'est Cassandra. C'est oui, ça des chocolats. Oui, des elles vont faire la chasse aux œufs. Il y a des roses et des rouges. Ok, c'est bon. Et là, il y a des rideaux et tout, Iris. Cassie, enlève le caddie, tu vas arranger dans votre salle de jeu. Non, ça arrange ça. C'est qu'on a acheté dans le plastique. Maman, il y a des rideaux là. Oui, 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 pour te retenir les rideaux, c'est des jolis petits trucs. Et là, des beaux draps. Bon, j'en ai plusieurs, hein, mais il faut changer un peu, hein, des nouveaux. Iris Djembaka. Voilà, présente-nous. Et là, c'est des rideaux de couleur, la vie en couleur. Oh, Iris, on met ça où? Dans la chambre ou au salon? Au salon. Dans la chambre aussi? Oui, c'est mieux dans la chambre. Oui, non, des couleurs. Ma chambre aussi sera en couleur, la vie en couleur. Ma, on va mettre un au salon, un dans la chambre. Et là, des jolis rideaux, des couleurs, des fleurs. Des jolies fleurs. C'est le printemps. Même les abeilles aiment trop les fleurs. Comme Léa Julie, la parisienne. Et là, on change. Parce que n'oubliez pas que même au printemps, il y a quand même un peu un petit vent. Donc parfois au canapé, quand tu somnoles un peu, tu as besoin de te couvrir. Donc on a pris des petits trucs de couleurs. On a pris ça à 5 euros. C'est ça, non, Iris? J'étais surprise. Là, c'est vers la défense. On a pris ça à 5 euros. Donc, tout ça, vraiment. Et là, ça, c'est le cadeau qu'il nous a donné. Ça, c'est pour ma petite cuisine.
Le vert citron, j'aime trop le vert citron. Oh, j'aime les couleurs, j'aime les couleurs. J'aime les couleurs, moi. Même Luna se moque de moi. Bon, on va commencer par quoi? Les rideaux, non? Pour se protéger de l'extérieur. Commençons par les rideaux, alors. Let's go. Tassi, tu vas aider ta grande soeur. Hein? Tu lui donnes les rideaux et elle aime. On va prendre quoi, les rideaux? Ben, elle a dit... elle a dit les couleurs. On met d'abord... Tu mets ça d'abord, tu mets d'abord les blancs au milieu, les transparents au milieu. Cassie va lui donner les rideaux. Les transparents d'abord. Non. Et après, on va faire la table de Pâques. Ça. Les transparents d'abord, c'est qui est au salon? Non. C'est bon. Attends. Tu peux faire comme ça. Oui, comme ça, c'est bon. Ok. Attends, maman, donne-moi. Non, pizza. Pizza. Oh, c'est pas mieux de faire comme je voulais faire là. Pour arranger la maison, c'est rien. C'est rien du tout. C'est pas cher. Regarde, c'est pas beau. Très joli. Il risque qu'on est haut. C'est joli, oh, maman. Maman. Hey, ça peut être joli comme ça. Ça va pas être beau. Hein. Ah ouais. Mais non, c'est mieux de laisser comme ça alors. Ah ouais? Oui. T'es sûre? Vous voulez mettre sur toute la table? Ou alors on met la nappe blanche. Hein. Oui, il y avait une petite nappe blanche. Oui, la nappe blanche. Un genre comme pour la grande table. La jaune là. Non, la blanche, même qu'on avait fait pour le buffet de Noël là. Oui. Et on plie. Non, c'est ça ici, non. Là, non, c'est pas ça. C'est quel? Il y a l'autre, c'était marron. Oui, il y a l'autre là. Non, maman, c'est pas ça. Mais ça, c'est beau. Le chemin de table. Oui. C'est quel? Ah là, c'est ce qu'on mettait tout le temps. Oui, il n'y a pas une autre. C'est pas, il n'y a pas une autre. Mais... On peut mettre la nappe blanche. Oui, oui. C'est vous qui décidez. Oui.
Les filles là, ma grondation seulement. Non. C'est ça. Ça sent extrême. Sans loulou, ça sent bon. On fait en deux. Comme ça, on fait dessiner. Voilà, là c'est beau. Mais maman, mais on va mettre quoi sur la grande table alors? Aujourd'hui, on va se dire, c'est vrai, c'est qui n'aime pas sur l'autre, c'est demain. Non. Chacun va faire comme celle-là. Mais avec ça ici, c'est bien. Ce que vous n'aimez pas sur moi, vous me dites, vrai, quoi, c'est pas du tout. Maman. Mais. Ok. Luna aussi, on lui dit sa femme. Moi, je veux dire, maman, j'aime pas quand je te parle, tu ne réponds pas. On va faire ça demain, en fin de manger, on fait ça. Mais maman, t'as dit que t'avais un pot pour ça. Maman, t'as dit que t'avais un pot pour le truc là. T'as dit que t'avais un pot pour le truc. Maman, j'ai coco comme ça, alors ici. On prend les fleurs là, non. Maman. Oh maman. En fait. On prend quelle? Elle dit en fait. Luna, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Voilà. Après qu'il y ait du bon sucre au bout. C'est pas mieux au bord comme ça dans la télé. Oui, c'est... Si. Non, pas les bougies, les décorations, les petites. C'est beaucoup, non. Comme un peu sur la table, non. Oh, les fleurs séchées. T'as acheté ça? T'as acheté ça? C'était à 60 centimes les fleurs séchées. 60 centimes. Ok. Les fleurs séchées, c'était à 67 centimes à Action, les fleurs séchées. C'est combien de centimes? 67. On peut les manger? Non. Les fleurs séchées, non. Non, ça se mange pas. Mais mets au... Bien. Où sont les œufs? Encore, Titi? Maman. Waouh, on dirait un vrai œuf. Maman, ça c'est bon. Où sont les œufs de chocolat? Et maman met bien les fleurs là. Ah ouais? Oui. Les œufs au chocolat. C'est les œufs au chocolat. Les œufs au chocolat. Les œufs au chocolat. La déco du coup. Waouh, ça va être trop beau. On met deux ici, maman Titi. Maman, mais là tu décores que le salon. Mais on va décorer partout. Parce que nous, après, tu le donnes à maman. Voilà, si vous suivez le bonbon. Qu'est-ce que tu racontes, toi? En fait, c'est bonbon. Pour maman, les bonbons au chocolat. Les bonbons au chocolat. Non, les bonbons au chocolat, c'est là. Chercher le poulet. Chocolat, il est là. Le chocolat. C'est pas caché, c'est rien. Le petit poussin est caché, non? Ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. On mélange les fleurs. Maison. Les fleurs, ça se mélange. Tu veux qu'on mélange? Non, ça va. Ça va. Rouge, tu ne veux pas remettre au sel? Ah, au paradis, non. C'est ça, comment ça tombe au paradis. C'est comme les vrais œufs, hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pousse-toi, Lolo. Luna, pousse-toi. Oui, maman, Titi, t'as tué. Ok, Lolo. Maman, t'es sûre? Pousse là. Après, vous allez manger. Mais ça, ne se mange pas. C'est la déco. Parce que après, Luna, si elle est là et que. Je
avoir un seul. Quoi? Maman, est-ce que je peux avoir juste un seul? La fille veut finir mes bonbons, hein? Vas-y, place-toi là-bas, tu filmes. Attendez. Pour les abonnés. Merci. Les chocolats. Les bonbons aussi. C'est beau. Comment vous trouvez notre table du printemps? C'est pour la chasse aux œufs. La chasse aux œufs. Mm-hmm. Mm. Trier, non, 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 ça aussi. Maman. Pardon, maman. Voilà comment Cassie m'a dit dessus. Alors, je te donnais tous mes chocolats à la chasse aux œufs. Iris, on décolle la table de la télé, non? C'est comme ça qu'on va aussi faire chez Iris. C'est ça, non, Iris? Vas-y, maman, tu me dois, hein? Tu me dois, maman, c'est un dingue, hein? Allons décorer ma part, vite fait. Tu vas me fâcher, tu vas comprendre. Pardon. Enfin, je peux décorer avec vous. Je ne coupe pas, maman. Maman, je ne coupe avec vous. On va décorer avec maman, Iris. Pas, non, c'est top. La famille, il faut se... Maman, non. Voilà, c'est ce que j'avais dit avant. La famille, il faut se sentir bien comme ça chez soi. Vous voyez? Ça fait du bien quand tu rentres chez toi. C'est beau. Iris, donne un coup de chiffon d'abord là-bas. Les couleurs, le printemps. En fait, moi, j'aime ça. Hein. Cassie, pourquoi c'est un peu blanc comme ça? Ah, ah, ça va. Ah non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Je sais. Mais ça va là-bas avec ton herbe là. Tu mets au normal. Hein. Voilà. Ben voilà. Voyez la famille, comment vous trouvez ma table du printemps? La table que Iris. Le printemps. Vous pouvez manger les bonbons. Hein. Sans manger les fleurs séchées quand même. Et sans manger des chocolats. Et tout, allez-y doucement, hein, parce qu'on vous connaît. Et là, vous allez décorer ça comment? Je sais que les fruits d'office, c'est là. Prenez, regardez. En fait, papa, pas devant ma déco. Hé, c'est grave, hein? Non, on court comme ça. Parce qu'on est trop contente. Vous comptez sur ma... Non, 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 pas sur ma... Sur la... Non, hé. Hey. Iris a décoré là maintenant. Hé, d'abord on dépose. Vous mettez les œufs. Les œufs, les poulets. Oui. Et les fleurs aussi. Oh, t'as une étoile là-haut tout, maman. Mettez ça au bord, vous mettez notre photo au milieu, la pomme à côté. Iris. Et moi aussi je veux les fruits. Hein. Non, non, au milieu, au centre. Comme ça. Et vous mettez notre photo au milieu. Non. Mais non, je... La pomme, a... voilà, la pomme à côté. Non. À côté. Et là, prenez notre photo. Elle est où? Ah, c'est bon, laisse-moi. Vos photos vont d'ailleurs se reposer, les fils. Voilà, mettez maintenant les poulets, les œufs, les fraises. Et les fleurs aussi, comme ça, ça peut mettre. Oui, non, ça c'est dans la chambre. On verra où on va mettre les fleurs. Là. Ça, maman. Oui. Il y en a plus beaucoup ou quoi? Oui, il y en a plein. Voilà la pastèque. Vous n'avez pas encore mis la pastèque. C'est où? Oui. Je mets entre chaque décoration. Mets-le à la place du. Oui, vas-y, oui, oui. Ah, tu ouvres, tu suces le sucre. Ça, je peux mettre là. Ça peut attirer le sucre. Mais ça aussi pour la cuisine, hein. Ah, c'est fini. Il n'y a que les fleurs après. Il n'y a pas les œufs.
Non, c'est fini là-bas. Et là-bas derrière, c'est quoi? Des fleurs. Mettez maintenant les petites fleurs au milieu. C'est pas grave. Voilà. J'espère que nous ne vont pas toucher. Hein. J'espère que les filles ici ne vont pas toucher. C'est pas trop sûr. Hein. C'est bon, devant. Voilà. Comment, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai failli casser. Attends, c'est mieux qu'on mette les tasses là-bas. Bon, on va dans la cuisine, non? Oui. D'abord, je ramasse. Attends, je regarde pas. Dans la cuisine, Iris, on y va, non? Vos chewing-gum, c'est là. Cynthia, non, c'est pas comme ça. Tu nous as dit de mettre par terre, mais... Iris, prends ça, au noir, un pot. Il y a un bol, un truc blanc là-bas. Il y a un vase blanc là-bas. Tu mets le truc là-dedans. Ah. Arrêtez, les filles, arrêtez. Allez jouer même dans votre salle de jeu, s'il vous plaît. Laissez-nous décorer. C'est blanc. Tu as vu? Non, c'est pas ça. Remets ça là. C'est blanc en bas. En bas, tu vas avoir un petit pot vase blanc là. Ce n'est pas. Ouvre, il y a un vase blanc, maman. C'est ça qui sera mieux avec. C'est là. C'est un vase blanc. Ouah, les filles ici. Hein? Quittez. Quittez. Quittez, je dis. Non, c'est pas ça. C'est à côté cassé. Non, il y a un vase blanc là. Mais comment? Ou bien c'est ici. Il y a rien ici, maman. Peut-être c'est ici. Cassie, viens ici. Viens regarder ici. Ça. Non, c'est pas ça. Ah, sors ça. Dans la cuisine, on va décorer. On va mettre les œufs de... Et attention. Tombe pas, et te dis que... Le vase blanc. Il y a un vase blanc. Là. Il y a un vase attends, blanc, c'est maman. Ça? Hey, c'est pas ça, maman. Mais, ça veut dire que c'est là-bas. Merci, maman. Attends, maman, il y a un vase blanc là. Attends. C'est rien que j'ai vu, c'est ici, non? Attention. Oh, le vase, là. J'ai vu ça hier. C'est blanc, c'est comme un petit seau blanc. C'est dans le buffet? Ah oui, c'est une décoratrice d'intérieur. Voilà. Et tu écartes bien. Il y en a beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Voilà. C'est bon. Bah du truc de bonbon là. Quitte un peu, quitte un peu. Luna. Il y a pas, je trouve pas le couvercle. Mais prends déjà le truc, c'est ça le couvercle. Tu veux que je prenne quoi? Viens mettre dans les ici. Hey, prends quelques œufs là, même deux œufs là-bas. Je t'approche. Il y a plus de deux, maman. Sur la table. Ça, c'est pour la chasse au. Oh, Dieu. Oui, au chocolat. Au chocolat. Au chocolat. Chocolat. Maman. Il n'y a que deux œufs sur la table, on ne peut pas les prendre. Mets ça ici. Okay. Bah, je mets les fleurs là-bas alors. Maman. Des jolies tasses pour boire un bon café. Non. Ah bah si, c'est comme si la poule elle avait fondu. Non, maman, c'est le chocolat qu'on va cacher là-bas. C'est moi qui vais cacher le chocolat. Mais non, mais l'autre, celui-là de là-bas. Je vais mettre sur la tasse. Maman. Attends. 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 Attends.
Quoi? Oui. Je sais pas. Tu n'es pas là au salon. Cynthia, quitte un peu. Ça, on enlève ça pour la prochaine fois. C'est là au salon, je sais pas. Ta place. Titi, je te laisse mettre ça. Un blanc et un blanc, ça fait. Non, laisse-moi d'abord. Tiens. Là, citron, vert citron. On va aller bien, on va aller bien. Voilà, on va y aller pour la couche. Voilà. Voilà, du vert citron. Voilà. Des jolies nappes. Ça permet de refaire, hein, de renouveler un peu la maison et tout et tout. Vous voyez comment c'est beau. T'as sûr, ouais. Les enfants, s'ils sont en haut avec les bonbons. Ça, c'est la tasse de Iris. Je veux boire un bon café le matin. Luna, laisse-moi d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez de ma tasse? Maman, Voilà. Ou bien je mets là-bas. Peut-être. On va là-bas. Allez, Titi, là. Luna, bah, bien, mais. Ok. Allez. Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite cuisine? La cuisine de Iris, hein. C'est même pas ma cuisine, hein. Alors, là, c'est bon. Et là c'est propre là. Vous même regardez comment ça brille. La cuisine de la mère de Iris. C'est cool. Allez, let's go. Là, on met ici aussi, non? On met le chemin de table.